Ok Google, est-ce que Zelda c'est le meilleur jeu du monde? Excusez-moi, je n'ai pas compris. Ok Google, est-ce que tu connais Zelda? Excusez-moi, je n'ai pas compris. Ok Google, connais-tu The Legend of Zelda? Excusez-moi, je ne comprends pas. Va te faire foutre Google. Eh bien bonjour tout le monde, c'est Loïc, et après cette petite déception, je m'attendais à mieux, hein. Bon bah tant pis, hein, ça ne peut pas être parfait. Nous nous retrouvons pour le jour numéro 22 du calendrier de l'Avent, plus que 3 jours, le top 3, 22, 23, 24. Que va-t-il nous réserver? Que va nous réserver ce beau calendrier de l'Avent? Nous allons déjà essayer de trouver la case numéro 22, et ben elle est là, juste ici. Donc le 22 est ici, c'est le masque du peuple Mojo, les petites pestes Mojo, hein. Moi ma petite peste Mojo, elle est là. Ça va Jax? Hein? T'as été la star du calendrier de tonton hier? Bah oui, t'as été sa star, hein. Bah oui, avec ton petit costume de Pikachu. Vous pouvez le suivre sur Instagram, c'est Jaco le rigolo. En attendant, nous allons ouvrir cette case numéro 22. Attention, c'est parti, on va voir ce qu'elle nous réserve. Si j'arrive à l'attraper, voilà, attention, attention. Oh oh, oh, je crois savoir ce que c'est. Oui. C'est un Kinder Chocobon. Et plus sérieusement, nous avons encore deux petits porte-clés de Zelda Spirit Tracks. Donc si je dis pas de conneries, vu que c'est Spirit Tracks, ça c'est les armures contrôlées par la princesse. Par la princesse Zelda, hein. Il y a son âme qui volette un peu partout. Et ça, c'est pas le ministre, je crois. Je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est ministre quelque chose. Ou, enfin, c'est un intendant, c'est un majordome, peut-être plus le majordome. Enfin, c'est le méchant du jeu de toute façon. Si je dis pas de conneries, enfin, du moins, il se fait contrôler par le méchant à un moment ou un autre. Mes souvenirs de Spirit Tracks sont assez vagues, j'arrive pas à les prendre. Ce n'est pas grave. Nous allons leur trouver une petite place provisoire hein, dans la vitrine. Vous avez compris le principe des porte-clés et ce que j'en ferai après. J'en ferai peut-être une vidéo où je montrerai un petit peu où je les ai placés, je ne sais pas encore. En tout cas, la partie Spirit Tracks est ici. Je sais même plus où j'ai posé les deux autres. Il doit y en avoir. Eh ben, je les avais mis là en fait. Je les avais mis là, voilà. Nous avions la grand-mère et nous avions Zelda, si je dis pas de conneries, vu que j'avais déjà Link et le bouclier. Alors, on va les glisser juste ici. Vous voyez, vous pouvez le revoir ici, hein, le méchant du jeu. Du moins, celui qui se fait contrôler encore une fois. On va essayer d'en mettre un là. Tac, donc pour le moment, nous en avons un juste ici à côté des figurines Spirit Tracks et un juste en dessous. Voilà, je l'ai mis à côté d'un peu tout le bordel qu'il y a ici. Cette étagère ne correspond pas à grand chose. Hein. Il y a un petit peu de tout, il y a un petit peu de rien. Mais au moins, voilà, ça comble un petit peu le blanc. Donc c'est tout pour ce jour numéro 22. On se retrouve demain le 23 pour l'avant-dernier jour, dimanche matin à 10h. Hein. Aujourd'hui c'était 10h, je m'étais trompé dans l'épisode d'avant. Donc 10h demain matin pour l'avant-dernier jour, et ensuite ce sera le 24 décembre, le dernier jour. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, pouce vert, commentaire, vous vous abonnez à la chaîne, la petite cloche, vous connaissez, et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Gros bisous à vous, salut à tous, bonne journée, ciao ciao, et bon dimanche.